Bonjour à tous, Malaska, On se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 du 4 21, 16h04. Je me suis levé de pied un petit moment, mais quand même, petit café soluble en poudre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien, tout simplement, j'ai été faire des courses. Voilà, information <laughs> Information très importante. Donc je suis complètement en retard. Évidemment, j'enregistre une vidéo qui devrait déjà être en ligne. Euh, du coup, aujourd'hui, je vous présente le démoniste des fausses. Alors pourquoi euh, En ce moment, vous savez qu'on est un petit peu enfermé entre le mage euh, à la première position, le mage de ici et en deuxième position, le famoso paladin euh, que je vous ai présenté Alors il y a plusieurs paladins, euh, moi je vous conseille ma decklist évidemment 42 matchs, 74% de winrate, c'est du archi solide Demain je vous ferai une vidéo masterclass sur mon deck euh, Qui est vraiment top 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 Il y a pas mal de personnes qui s'intéressent sur le démoniste des défausse Qui s'interrogent pardon sur le démoniste défausse Alors aujourd'hui je vais vous présenter évidemment la meilleure liste Le gratin de, du démoniste défausse si j'ose dire Euh... La liste de Mythi qui a fait top 3 légende sur EU, bien évidemment. Donc sur le serveur évidemment qui pèse dans le game. On va tout de suite voir ce que ça donne. Pas mal de gens ont l'air de croire que euh, c'est un excellent counter au mage Lunacy. ici. Euh, personnellement, moi j'ai des doutes. Euh, j'ai quand même des doutes. L'avantage c'est que le mage est assez lent. Et ben, on va pouvoir voir tout de suite. Ça peut fonctionner. On sait que le démoniste peut marcher également contre euh, le paladin. Ça c'est pas un souci Maintenant est-ce que ça marche vraiment si bien contre démonise des fosses Contre euh, mage J'ai quand même quelques petites réserves Ici je pense que Comme il va pas nous mettre de board On va juste garder ça Là Tam Simram C'est pas vraiment ce qu'on veut Tam Simram vous la voulez pas en main de départ hein, Bien évidemment C'est plutôt une carte euh, T6 T8 Tu vois avec laquelle tu vas combo euh, Jaraxus c'est plutôt cool Jaraxus m'habite, hein, Tout le monde sait bien Hop euh, hop 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 Le jeu de mots qui dérape Hop 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 Bon Jaraxus c'est plutôt cool On va pas se mytho euh, Avec le coin c'est sympatoche Alors Attention on est affaire à des adversaires euh, durs. En plus, il s'appelle The Real Laldu. Donc, ça doit être un mec euh, assez costaud. On a le droit de le croire, hein, clairement. lui un l'incantateur, évidemment, en main de départ, un classique de la maison. Euh, ok, ok. Bon, évidemment, nous, on veut Ticatus. Hein. Hein, évidemment, hein, le but, c'est Ticatus. Hein, on va pas se mytho. Euh, voilà, on veut, on veut vraiment Ticatuser le plus vite possible. Hein, tout à fait. tout à fait. Euh, et taper un seigneur Jaraxus ce serait pas mal. Bon, là, il, faut, là, il peut être un peu casse-couille. Euh, mais on s'en branle un peu J'imagine que c'est donc le secret On va taper d'abord Mais ça n'existe plus maintenant hein, Le secret qui inflige 3 points de dégâts euh, Donc vous n'avez pas à le faire C'est par habitude qu'on le fait C'est pas une entité miroir Ça aurait pu être une entité miroir Mais ça changeait rien de toute façon euh, Ok 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 Ça va être un counter spell hein, Raisonnablement on sait que c'est un counter spell Pas de souci. Nous de toute façon On veut juste piocher Attention parce que Ah la petite suite de raisons. C'est parti hein. T4 C'est quand même très souvent dans leurs mains hein. C'est incroyable Hop on regarde Ça va souvent être le truc qui fait apparaître un body voilà Eh bien ça proc plutôt pas mal, c'est cool ça non hein Ça se met plutôt pas mal euh, j'ai très envie d'utiliser ça mais je ne vais pas le faire, je vais plutôt mettre ça Ok let's go on va faire comme ça parce que euh, désastre en cascade, sachant que j'ai Yasharaj en main, bah forcément je vais avoir besoin de la récupérer. Et si elle n'est pas corrompue, bah je suis un peu recte. Là malheureusement, je ne vais pas vous mentir, j'espérais qu'il ait autre chose, hein. j'espérais qu'il ait pas de body, euh, comme ça je pouvais passer mon ma 37 tranquille. Mais c'est pas facile quand même pour lui là. Il doit utiliser un sort, ce qui va me donner des bodies, c'est assez chiant. C'est ça, c'est un peu merdique pour mon coco. Il va falloir faire attention parce qu'on a dû jeter le coin malheureusement. Mais normalement, tant qu'on a des astres en cascade, on est plus ou moins en, en tranquillité. Bon, il va full face hein, parce que euh, parce que c'est un dindon. Euh, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là on va faire un adversaire euh, un petit peu limité. <laughs> oh putain, c'est encore à juger, franchement. Les gens, c'est triste, c'est dommage, parce qu'on voit que le gars, il a copié sa décliste, tu vois. On voit que le mec, il a 100% copié sa décliste. Euh, ok, bon ça c'est problématique, parce que ça peut être un counter-spell, malheureusement. Euh, mais vu qu'il l'a rejoué, je pense que c'est encore un secret comme ça. Je peux check après, hein. je peux faire ça et me dire que voilà, on check. Je pense que je vais faire ça. Je peux vraiment pas prendre un counter spell là-dessus. Puis j'ai pas envie de passer en plus un counter spell là-dedans. Donc on va piocher. Et check le counter spell, ça me va. Ok, donc on voit que ça a tapé là et là. Ok. Ah dommage. Oh là là. Franchement, il hein. Franchement, les chats. Bon, les secrets qui sont toujours extrêmement forts. Hein. Moi, c'est vraiment une mécanique. J'espérais que ça disparaisse un petit peu les secrets. C'est une mécanique qui est très frustrante, euh, notamment la mécanique des counterspells avec le paladin qui fait râler beaucoup de gens avec le, le Omayog, puisque en fait, bah, ça vous nique complètement. En fait, hein. on pouvait pas vous permettre actuellement dans Hearthstone. Les match-ups sont très serrés. C'est pas comme l'ancien Hearthstone où à la limite tu prenais un petit counterspell. Il y a 3-4 ans, tu prenais un counterspell un peu appuyé, ça allait. Tu vois. Aujourd'hui, tu prends un counterspell sur euh, des astres en cascade, t'as perdu. Tu, tu perds. Hein. Ça te coûte vraiment. Euh, ça te handicap Je pas hein. ici si je perds des astres en cascade alors que j'ai acharage en main c'est euh, allez je vais pas vous mytho mais je dirais que je perds 30% d'une raid sans déconner et là là c'est pareil bon le gros coup de chat de l'adversaire évidemment hein, qui, qui, qui peut trade ça du coup qui se libère d'une énorme contrainte voilà donc c'est parti c'est maintenant le beau jeu c'est maintenant euh, cela dit on peut quand même pio pio on peut chercher on peut piocher ok on va juste faire un petit euh, vous le savez hein, même, tu sais on aime bien tout ça Hop. un petit clean comme ça et mine de rien il est pas trop mal parce que notre coco il a 4 cartes en main Alors oui par contre il a bien réduit les cartes dans son deck Mais il a fait un Flux de l'incantateur d'abord Donc ça c'est pas ouf Et ensuite suite de raisons, Ensuite flux de l'incantateur Donc il a eu une bonne combo Mais il a eu que 2 tiers de la combo Donc en soi, on peut être content On a des énormes cleans On arrive dans nos tours Bon ça il y arrivera pas Normalement mathématiquement il n'arrivera pas à me tuer en face C'est très 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 très, 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 qui sont un peu de ma gueule évidemment Est-ce que je peux encore piocher pas Vraiment là ça devient plus compliqué ça devient plus compliqué. Là, c'est embêtant parce qu'on en fait, n'a pas vraiment de tour, du coup. Je pourrais, par exemple, me dire Tamsin et je m'émasse euh, des morceaux dans mon deck, tu vois. Mais j'aimerais bien proc ce con aussi. Est-ce que je peux encore me permettre de piocher une fois Je pense que ça devient chaud et inutile. Ça devient dangereux et inutile de piocher, là. Au prochain tour, je, oh, je vais mettre le Monsieur Muscle. Mais Monsieur Muscle, si je fais ça, je ne l'ai pas encore rompu alors que j'ai rage en main, ce qui est une énorme erreur. Surtout que je vais le corrompre avec soit ça, soit ça. Donc, je ne vais... peux pas vraiment le poser, là. Mais la situation est délicate. Après, vu le nombre de fragments, j'ai déjà beaucoup de fragments dans mon deck. Je pense que je peux piocher. Il ne me tuera pas. Ok. On va être obligé de mettre ce bad boy, je pense. Ok. C'est pour mettre de la pression. Hein. Sinon, il va trop se sentir comme à la maison. Là, on voit qu'on a énormément de fragments. Avec Tamsin, on pourra faire un tour, par exemple, à base de Tamsin. Sizaidam, 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 dam Ce qui va mettre un chier de fragments dans mon deck. Donc, ça pourrait être très sympa. Parce que là... Plus potentiellement vu comment c'est parti je pense que sa meilleure chance de me battre c'est en fait de, euh, bah de me bullshit en fait hein, de me bullshit avec des surfaces donc j'attends qu'ils me mettent du board et je vais faire le play bon par contre encore une fois on se retrouve euh, avec une main de merde on peut le dire hein. clairement là je ne peux strictement rien jouer je suis un peu déçu donc on va juste avancer lentement. Hein. On va juste avancer lentement. Au prochain tour, on va mettre Seigneur Jaraxus Mobit. Et, euh, et ça va être sympa. <laughs> évidemment, vous vous dites, c'est pas possible à cet âge-là euh, de faire des jeux de mots débiles. Ben voilà le petit crâne de Guldan. Euh... <laughs> le petit crâne de Guldan, dans... quand il joue aussi, de des raisons. C'est toujours un moment sympa, ça. Euh, vous vous dites, c'est pas possible à son âge de faire des jeux de mots aussi con. Mais si, <laughs> bien sûr que si. <laughs> Jaraxus Méboule, évidemment. <laughs> c'est trop marrant. Évidemment que c'est drôle. Euh, alors, baston. On voit, on vous voyez, ça c'est le problème des adversaires euh, à ce niveau-là. C'est qu'en fait ils jouent un deck qui est extrêmement puissant et ils choisissent ici de faire baston, enfin, tu vois. Ah, il voulait Prox ça, d'accord. Il voulait Prox ça, ok. J'espère qu'il aura pas un truc trop ouf. Ah, ouais, il a un truc assez oh, déconné, regardez ce qu'il récupère. Regardez ce qu'il récupère. Oh la petite pute. Oh là là, là on marche, c'est fou, hein. C'est fou. Et je vous disais, blague à part, hein, on, va, on va quand même se battre, hein, c'est pas grave, mais... Euh, je vous disais, blague à part, ce qui est triste, c'est que vous avez des mecs qui en fait... Euh, bah ben en fait ils jouent un deck très puissant Et ils sont tellement puissants qu'ils se permettent de jeter des sorts et tout C'est débile Là évidemment il me reste 10 PV donc malheureusement ben, c'est en main Il a le deuxième œil de ses tout, et Il gagne quoi hein, Tu vois il n'y a pas de... <laughs> parce qu'il a chaté d'avoir ça quoi C'est un peu toujours la même chose malheureusement Ok euh, on va faire un truc comme ça On va regarder si ça, si ça marche ça me le redonne pas hein. La situation ne s'est jamais produit, je jamais eu Donc là on va blaster à mort euh, On peut pas piocher hein, bien évidemment parce que s'il a le sort, euh, s'il a le sort, c'est tout. On peut tout juste être one-off. Bon, par contre, j'ai un million de fragments dans mon deck. Donc, s'il a pas tout de suite de quoi me tuer, je suis extra bien. S'il a tout de suite de quoi me tuer, c'est vraiment... vraiment la tristesse, quoi. <laughs> c'est vraiment honteux. Euh, mais bon, c'est possible, hein. C'est possible, on va voir. Hein. Il peut avoir le sort, euh, le sort de ces morts-là qui invoquent des 3-5 qui frappent. Acrobatie, putain, c'est pas mal, hein, zéro. 0. En plus, ce qui est fou, c'est que normalement, si y a des raisons, la faiblesse, c'est que ça vous fait pas piocher, en fait. Et normalement, bah, vous avez certes des sorts très puissants, mais comme vous avez plus de moyens de pioche, bah, vous êtes un peu rect. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, il pioche, il pioche, le mec s'en bat les couilles. Ah, bah, c'est pas mal, ça. C'est un mulet de froid de lune qui lui donne 6 d'attaque, et il a un sort face, et il gagne avec le poids avec. Waouh. Oh là là, c'est vraiment écœurant, hein. c'est écœurant, hein. c'est fou. Là, je devais gagner, hein. là, je devais gagner, mon adversaire, eu beaucoup de chance. Ouais, 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 Ok. Ah, attendez, attendez, c'est peut-être pas fait. Attendez, j'ai peut-être été un peu défait Ah, il l'a pas, il l'a pas, ok, ok. Euh, Pendant ce temps-là, on pioche 0 fragments, vous remarquez. On va tout de suite mettre Seigneur Jaraxus Méboul. C'est pas un sort, hein, donc quoi qu'il arrive, je vais pouvoir le poser. Euh, donc on passe à 7. Euh, par contre, est-ce qu'on peut taper Oui, on peut taper. Euh, on va mettre ça pour augmenter le nombre de fragments. On le met, je le mets uniquement parce que j'ai Monsieur Muscle, sinon je le mettrai pas. Parce que si je prenais l'entité miroir c'était terrible Eh bien c'est pas mal, ça fait combien de barres de glace du coup Hop, ok Donc là c'est bien simple, encore une fois c'est toujours la même chose S'il chatte pas, faut qu'il ait une pyro Il y a très peu de chance, déjà qu'il a eu des moyens de pioche extraordinaires Qui lui a permis de mettre de la pression Déjà il pioche encore de la pioche, hein. vous avez vu c'est fou hein. Il trouve encore de la pioche euh, Moi je trouve aucun fragment d'âme alors que j'en ai euh, Je dirais à la louche Que j'en ai 14 Je crois dans mon deck Donc euh, mathématiquement je devrais en piocher assez rapidement, espérons le Normalement, ces 5 points d'armure devraient être salvateurs. Et là, vous voyez le pouvoir oui qui va le mettre en difficulté. Hein. Moi, je peux clean deux fois, je suis assez bien. Euh, on est plutôt pas mal. faut juste que les fragments tombent, qu'on se foute pas trop de ma gueule. Évidemment, deux... Jaraxus en doré. Évidemment, Jaraxus doré. Jaraxus doré, je crois que c'est 500 wins. Si vous vous demandez comment l'avoir, il faut 500 victoires en démoniste il me semble. Alors, de la chance ou pas de chance Dis-moi tout. <laughs> C'est fort mais c'est pas vraiment problématique. Mais Nico il y a du coup ping hein, il gratte hein, il gratte hein. Allez, quelques fragments et je le bats. Quelques fragments, j'ai plus d'une chance sur deux d'en avoir. Ça y est, on, veut, on voit qu'on l'a pioché un fragment, ça fait plaisir. Un seul, mais on va pas se plaindre, c'est quand même bien. On prend ce qu'on a. On dit merci. Euh, problème, problème, problème. Ouais, comme vous le voyez, problème, problème. Après, pff, la 8 cartes, je m'en branle, j'ai plein de clean. Hop. Oh, on y va. Attention hein, je peux toujours perdre hein. S'il prend une pyro, s'il a de la chance et qu'il y a une pyro qui sort, je perds. Hein. Là j'ai eu qu'un seul fragment malheureusement. J'en ai mis énormément dans mon deck, ça dégoûte un petit peu. Normalement je devrais facilement remonter au-dessus des 10 PV. Mais, euh, mais je peux perdre. Hein. Deuxième crâne de Gul'dan, c'est du délire. Oh Alors les gens, là je sais pas si vous vous rendez compte, hein, les gens qui connaissent, là les gens qui connaissent le jeu, euh, vous vous rendez compte la chance incroyable. Oh <laughs> ah, c'est beau Oh, c'est beau. Alors là, s'il me fait une pyro, s'il me fait une pyro, c'est magnifique. Il peut pas normalement me faire une pyro, c'est pas possible, je pense. Euh. À moins que. Non, mais parce qu'il joue pas cette Toon. Bah ben non, il aurait fallu qu'il ait un truc. Bah ben non, ça existe plus pyro, ça existe plus Mais non, ça existe même plus pyro. Mais il peut quand même, hein. Il peut quand même, vous inquiétez pas, il peut me niquer, hein. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Tout va bien, mais il peut complètement me défoncer quand même. Ah, bah ben, regardez. Petit 3 de dégâts quand même, hein. Eh bah, ben, ben, il a l'étale. Il a l'étale, hein. C'est beau, hein. Aïe aïe aïe. Ah, c'est le beau jeu. <laughs> oh putain ça vaut la peine d'avoir joué Eh ben ça vaut la peine Alors lui top deck euh, un petit peu on peut le dire Et moi par contre j'ai 14 fragments dans mon deck Donc plus d'une carte sur deux J'ai top deck un seul fragment Bon bien joué à mon adversaire C'est cool, c'est cool, c'est cool Ça fait plaisir Allez game suivante Bon en tout cas c'est bien Et La leçon à tirer de ça C'est que blague à part Là on devait l'éclataxe Normalement là on devait l'éclater tous les jours euh, Mon adversaire c'est juste ridicule C'est juste ridicule quoi Là normalement on l'éclataxe On était bien en vrai hein donc on va voir si on peut re-tag quelques mages. Euh, vu que c'est un match-up assez intéressant pour nous. J'aime bien Professeur des âmes Malicia, mais on n'a pas le coin, je crois. Ah, avec le coin, j'aurais gardé Malicia, je pense, mais sans le coin, c'est compliqué. On va à Tej, Alors, c'est très souvent un rogue ah, Malheureusement, les rogue bah vous avez pas grand chose à leur dire avec ce deck. Vous allez vous faire éclater. C'est un des trucs un petit peu merdiques pour vous. C'est un très mauvais match-up. Le Rock Tempo, le Rock Post et tout, il vous fait vraiment pas peur en principe. Sauf si vraiment il tempo de ouf sur, son, euh, sur ses posts et qu'il a du talent. Mais globalement, c'est un peu mou, c'est un peu faible. Là, c'est un peu faible. Attention, il y a toujours des mecs qui vont faire top 1 légende avec. Hein. Mais globalement, Rock Post, euh, c'est en dessous. Hein, je vous le dis, c'est moins fort quoi. Ah, vous faites pas trop d'idées. Ok. Euh, on va voir, on va voir. On va pouvoir aller piocher deux serviteurs. Ces deux démons, ça réduit leur coût. Ça serait pas mal. Cette carte qui fait un petit peu penser à la carte du mage hein, avec les sorts là. Ça se met bien là, c'est cool, ça se met plutôt pas mal pour mon adversaire ici, hop, on va contester avec ça, donc c'est manifestement un genre de tempo, je sais pas trop quoi, un tempo un peu fait je sais pas, néophyte du cul, moi j'aime pas trop cette carte, je trouve qu'elle a mal vieilli depuis Skolomance, d'ailleurs on la voyait plus, en fin de génération Skolomance, Sombrelune, on la voyait plus du tout, donc c'est ça, c'est un bête, regarde, classique, sans intérêt, si t'as pas d'anti-arme, tu perds. Euh, on va voir si on peut le conteste Mais normalement c'est Toulouse hein, on va, on va, on va, Je pense qu'on pourrait gagner du temps en quittant tout de suite On va se battre quand même Pas très intéressant ce match clairement Ça va pas être le fun à l'état pur Je vais pas vous mytho Un démon et... Ah, on a rarement les deux démons hein, C'est triste Hop let's go Après on peut avoir beaucoup de heal On a quand même quelques, quelques points d'armure Mais bon avec l'arme S'il si met bien les poisons si gère bien là dessus Il est assez énorme De euh, notre côté Faudrait utiliser ça pour proc Pour pouvoir piocher parce qu'on peut plus trop piocher, en plus c'est une des forces du deck. Oh, il a tout de suite le, le petit jongleur. Hmm. Et deux jongleurs en main, ok. Ok, ok, magnifique. Je pense qu'on va partir sur un, on va partir sur un bon moment là. <laughs> on va partir sur un bon moment. Euh, ok. Ok. Euh, tac, tac, tac. Bon, on est... ne peut pas piocher, hein, du coup c'est un peu, euh... c'est un peu la merde, clairement. Après on a les taunts, mais faut-il encore les, les procs ah, C'est impossible de piocher, hein. c'est interdit de piocher là, c'est impossible. Si je pioche, c'est sûr, je m'avance vers la tombe, c'est 100% sûr. Il est hors de question de piocher. J'espère avoir naturellement de la pioche qui me permettra de tenir. Je pense que je mettrai sûrement Ticatus en, en body en fait. Hein. C'est une des meilleures façons de, de tenir le coup. On a de quoi on a de quoi tuer les camouflages, mais je pense que si c'est un Rock full arm, il a vraiment même plus, même plus de créatures camouflage en souvent. Il a juste besoin de l'arme. Là, en fait, le gars, il a qu'à aller tout droit hein, pour vous battre. Il a tellement une capacité de dégâts incroyablement débile qu'il suffit qu'il aille tout droit et il vous bat. Ça permet aussi parfois de bullshit encore un peu plus. Jongleur. Ok. Tiens, c'est marrant, il a mis tout le monde à 3. Ok, il a eu gel mental là-dessus. C'est plutôt pas mal du coup. Hein. Ça lui permet de, de trade, c'est assez fort. Ok. Je pense que je vais être obligé de jouer Ticatus. Hein. Ticatus comme ça, non corrompu. Là je perds très souvent malheureusement, vous avez vu ça c'est... du délire euh, je perds très souvent Encore une fois si vous n'avez pas d'anti-armes... Euh, caca hein, vous pouvez rien faire Ok, on va y aller comme ça, on va tenter de mettre de la pression ah, derrière je vais devoir poser mais euh, évidemment je défausse, euh, ouais, je défausse... les trucs de ouf, <laughs> je défausse les trucs de ouf évidemment <laughs> Les trois trucs, les trois trucs principaux les plus importants dans le deck je les défausse Du coup comme ça je peux pas corrompre mes Monsieur Mus, c'est parfait ah <laughs> Est-ce qu'on est, qu est mort T6 à l'ancienne Est-ce qu'on est mort à l'ancienne T6 là On est souvent mort, hein. on est très souvent mort là. Il est temps, il est temps, on est T6, c'est normal, attends, il est, attends, on est T6 quand même. T6, euh, T6 quoi, merde, attends, il est temps, fuck off. C'est le mode de la merde, hein. C'est bon, hein. Ok. Ah, et ça met du temps en plus. Oh là là, ça met du temps. Il a eu le poison. Euh, regardez, regardez qu'il a eu le poison. Euh, il a eu le poison qui permet d'être insensible. Si si trade, c'est vraiment un singe. Hein. C'est un, un immense singe. Si trade là, c'est ah ouais d'accord, bah bon, parfait. Ça c'est même pas compté. Et ça c'est même pas compté. Ah oh, putain. Ah aïe, 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 aïe. et ça c'est même pas compté, Jesus Christ. Bon on va mettre un petit ton du coup on va pas le laisser jouer, hop et on continue comme ça. On essaye de travailler un petit peu le bolly. Euh, dommage qu'on ait défaussé Jaraxus. Hein. dommage qu'on ait défaussé Jaraxus. Il y a Charage et le Serabit. Hein. On aurait pu avoir les Messieurs Muscles, on aurait pu reposer des Messieurs Muscles avec la Charage, on aurait pu gagner. Mais comme on a défaussé cinq cartes et qu'on avait déjà cinq fragments d'âme, c'est normal qu'on ait défaussé euh, bah, les trois plus importantes. Ah Allez, euh, arnaque. Ok, bon de toute façon ils devraient pouvoir passer assez facilement hein, les. Je pense que les tonnes ne le retiendront pas hein, malheureusement. Surtout en les payant. Gratuit, on aurait pu tempo un peu, mais là, ça va être assez dur. Ok. Bon là on va contester assez simplement. Et on va continuer. Ah c'est intéressant ça aussi. Mais j'aurais bien aimé l'avoir en double. Est-ce qu'il peut me tuer au prochain tour et rien qu'avec les sorts, vous pensez Je pense pas moi. J'aimerais bien l'avoir avec Tamsin en fait. Avec Tamsin je pourrais me remonter. Je pense qu'il me tue pas au prochain tour. Après, je peux me remonter là et mettre ça. Hein, c'est pas si mal là. Un taunt te suffit. Le problème, c'est que j'ai pas Tamsin. C'est un peu chaud d'attendre. Hein. C'est un peu chaud d'attendre. D'un autre côté, là, je lui fracasse la gueule. J'ai combien 9. Je mets 5 en plus. Il commence à prendre. Hein. Parce qu'en fait, Monsieur Muscle ou émissaire, émissaire fera plus fort. Et lui me donne 3 PV tout de suite, ce qui empêche de. Après, je peux mettre 1, 2. Mettre lui. C'est quand même terrible de devoir payer ce, ce trou de balle. Hein. Ah, si j'avais Tamsin, je l'aurais fait, je l'aurais gardé. Mais là, elle n'est pas prête de montrer sa trogne. Hein. Si elle me se fout de ma gueule, je sais pas bien. Décision difficile. Décision très difficile. J'aime bien mettre le deuxième taunt et trade quand même. Okay. On va tenter comme ça. On sait qu'il aura un mal de chien. Il a l'air de vouloir regarder sa stack d'armes. là. Ça a l'air de lui faire chier les taunts. Il peut passer par-dessus. Hein. C'est un rogue, donc euh, 14 PV, ça lui fait pas peur. Hein. Clairement. Euh... Là on lui met un peu de pression. Il peut réussir à passer par dessus si chatte. Moi je vais tenter d'attendre un tour supplémentaire pour essayer de faire euh, faire de la magie avec Drindam sur euh, Tamsin C'est vraiment une de mes meilleures win conditions je pense. Euh, ok donc il, il a l'air de vouloir gérer les taunts. Ok. Ah le voilà poison paralysant. Encore. Wow. Du coup il va pouvoir tuer ça sans prendre de dégâts. La liste était déjà forte avant avec poison paralysant, ça l'a vraiment boosté. Et comme vous pouvez le voir, hein, je vous l'ai dit, euh, on rentre pas feuille argent. Hein. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui avaient des doutes, qui pensaient que feuille argent, la première liste qui avait été proposée avec feuille argent et poison paralysant était bien. On ne met pas poison paralysant, c'est nul. Il n'y a pas besoin, c'est trop mauvais. En termes de pioche, c'est pas assez fort, c'est meilleur coudre de découpage et, euh, et arnaque. Il swindle, comme on dit. Allez. et Donc là, il cherche, il cherche les dégâts ici. C'est tellement fort. Après, j'esquive 7 points de dégâts, c'est assez intéressant. Si tu passes ça, je suis quand même content. Ok sur un. apparemment il a pas... Ah bah parfait, non, parfait. Apparemment il l'a pas mais t'es un fou toi. <laughs> mais t'es un fou. Mais es un fou Évidemment qu'il a une solution. Ça m'avait pas manqué comme deck, hein. ça m'avait pas manqué. C'est vraiment très très puissant. Trop puissant, hein, bien évidemment. Eh bien et là on n'a pas vraiment le choix en fait. On va devoir juste attendre de se faire, bah, de se faire cartonner en fait. Euh, pour être clair. Est-ce que je peux tenir un tour, vous pensez J'ai bien l'impression que oui. Euh, autant utiliser celui-là. Hop, et let's go. Euh, j'attends toujours, hein, j'attends toujours Tamsin qui pourrait me sauver. Là c'est dommage, hein, si j'avais eu, euh, comment dire, si j'avais pu proc mes, mes petits trucs, faire une petite yacharage si j'avais monté 7, euh, Professeur des âmes Malicieux, on pouvait jouer, si j'avais Ogre-Mancien, on pouvait jouer. Vous voyez, c'est un match qu'on pouvait gagner, mais on a vraiment ultra déchaté, mon adversaire, lui par contre, sur la chatte, bah, il est archi-chaud, comme vous pouvez le voir, euh, puisque même quand il a plus de mains, bah, il a quelque chose. La petite pioche qui revient à normal, ouais. ouais. Et vous voyez, on rentre pas, hein. j'insiste vraiment, attention, très important, j'en ai parlé il y a quelques jours, on ne joue pas feuille argent. Feuille argent, c'est nul, hein. euh, très clairement, c'est nul à chier. Euh, ok, donc il lui manque 6 de dégâts. Le petit hasard en fin de tour, la marque des grands joueurs. Ok. Et il laisse, hein, et il laisse... Ok. <rire> <rire> <laughs> des fois, on a vraiment, vraiment l'impression que le jeu nous chie dessus, tu vois. C'est ouf, c'est ouf. Euh, ok, ok, ok. Bah, c'est parfait, du coup, il passe avec, les... avec, ses... avec ses trucs. Hein. Et je peux pas piocher. Vous remarquez, j'ai aussi des éclats dans le deck. J'en ai pioché euh, zéro. Hein. J'ai pioché zéro éclat littéralement depuis le début, début de la game. Bon, là, normalement, il doit s'en sortir. Hein. Pouvoir ruïque, euh, juggleur, juggleur, 2-3 sorts. Ça devrait passer. On a le tone qui ralentit un petit peu. Bon, j'ai gardé au maximum. Hein. J'ai gardé au maximum mon sort. On n'a pas vu, euh, on n'a pas vu Tamzin. On n'a pas vu Mancien, On n'a pas vu Malicia. Enfin là, c'est, c'était vraiment du délire. C'est vraiment très très mal mis pour nous. Ok, il a gagné. Ah non, il est one off. Et en plus, il est lent. C'est insupportable. Il est lent. On voit que c'est un adversaire qui ne sait pas jouer. Il est lent, tu vois. Il est lent avec ses jugleurs. On voit qu'il connaît pas le, le tricks, tu vois. C'est vraiment un adversaire grand débutant. Ça se voit clairement. Et il gagne. Hein, et il gagne. Hein. Bien joué à lui. Dommage, dommage, dommage. On a bien joué. Moi, je suis content. On a, euh, on a attendu. On a joué Tamsin. On a voulu vraiment temporiser jusqu'au max. On a posé euh, Ticatus comme ça, ce qui était une super décision. Malheureusement, bah, Ticatus a défaussé bien évidemment euh, <laughs> Jaraxus, qui était une putain de win condition. Surtout pour proc mes taunts. Hein. Jaraxus était très important. Non seulement parce qu'il me donnait 5 d'armure et qu'il mettait une grosse pression, mais parce qu'il proquait mes taunts. Et oui, euh, il me permettait de récupérer mes taunts sur Yacharage. De toute façon, avec Jaraxus, j'ai défaussé Seigneur, Avec euh, Ticatus, j'ai défaussé Jaraxus et Yacharage. À partir de là. Euh, il n'y avait pas grand-chose à faire, clairement. Euh, bon, c'est un peu terrible, là, franchement, euh, c'est un peu terrible. On s'est tapé deux matchs affreux, quoi. Alors que honnêtement, on a bien joué. Euh, c'est un peu décevant. Euh, on va s'accrocher. Je pense que, que c'est terrible parce que ces deux matchs, on devait vraiment les gagner, honnêtement. Aussi bien le premier que le second. Le, le mage le match qui a pioché avec Guldan x2, c'était un peu Fumax. Là, on, on voit pas Tamsin, on voit pas Ogremancien, on voit Ticatus qu'on fait qui défausse les cartes les plus importantes. C'est un coup dur. Euh, on est contre un mage, encore une fois. Sans compter qu'il arrive que, quelquefois, les mages n'aient pas l'une ici en main de départ. Attention, ça arrive. Mmh. Let's go. Euh, on va tout tèche. On va tout taire. Nous, on va chercher des geôliers. On va chercher des gris-gris. Euh, un peu tout ça. Jaraxus, c'est cool. Bon, sans le coin, c'est un peu loin. Par contre, ça, c'est catastrophique, monsieur Muscle, en main de départ. Là. Quelle blague. Bon, c'est de nouveau un lune ici. Hein. Comme beaucoup d'adversaires, ils vont choisir euh, ce Dexi. Euh, ok. Bon, on a une main de merde. On va pas se mito. C'est vraiment une main avec la taxe. Ok, jouer étude primordiale, c'est un peu étonnant. On le voit un peu moins cette ancien étude primordiale. Euh, Vendeuse d'armure, on va préférer piocher. On reverra ça sur le T3 potentiellement. Ok, bon, 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 bon. Au moins parfois, c'est un peu lent. S'ils n'ont pas tout de suite luné ici, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vous agressent pas et donc ils vous laissent arriver à votre late. Quand ils n'ont pas luné ici, évidemment, on va contrôler. Hein. C'est très très bien de contrôler. C'est une grosse erreur. Vous voyez l'adversaire qui encore une fois est très très moyen. Euh, sans vouloir faire le bâtard, hein, je vous dis la vérité. Euh, là, c'est très mauvais de faire ça, puisque du coup, ça va mettre euh, truc de gulda ça va mettre euh, Primus, enfin Hyperion dans son deck. Pas Primus, Hyperion. <laughs> ça va mettre euh, comment on appelle ça Le Primus, le Primus dans son deck. Et du coup, bah, ça l'unique toutes ses synergies en fait. Ça l'unique toutes ses synergies, notamment celle du sort à 1 euh, Donc c'est plutôt cool. Ok. Donc là, il va piocher. Ok. Du coup, il remonte, hein, Il remonte à 4 de mana. Ah. ah, 3, pardon. Ok, et du coup, il a mis play parce qu'il pensait qu'il avait 4 de mana Mais non, tu n'en as que. Euh, ça valait pas la peine de foutre ça là-dedans en plus. C'était un petit euh, mimi, un petit play-play, un petit misplay. On va piocher là. Bon, dommage. Au prochain tour, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir poser Thaïlande et corrompre euh, nos deux amasseurs. Ça, c'est vraiment chouette. Euh, très très bonne nouvelle. Ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On voit qu'il a pas eu encore euh, ici donc là on voit un mage qui, bah, qui est un peu plus lent. Hein. Forcément, ça change beaucoup de choses quand ils n'ont pas ici en main de départ. Sachant que l ici, c'est une carte, ah bah quand même, il a quand même T4, hein. putain c'est fou, hein. c'est fou ils l'ont tout le temps, tout le temps, c'est un truc de ma boule et ça joue encore à l'envers. Hein. Euh, ok ok. Après c'est un petit niveau, on voit qu'on est en gold, hein. on voit qu'on est en gold, les adversaires sont vraiment pas ouf. Euh, on va pouvoir mettre ça, on va mettre ça et ça sur les prochains tours T6 et on aura une belle malicia qui sera peut-être pas facile à gérer pour lui, en tout cas qui nous permettra potentiellement de nous défendre. Ok, sur ce fraîche directement avec l'Unesi avec qui vient d'être fait Ça va être extrêmement fort malheureusement Il va être très puissant du coup En fait tout est là, il ne faut pas qu'ils aient l'Unesi trop vite Et s'ils ont l'Unesi trop vite, ce qui est le cas là sur le T4 c'est incroyable euh, Il faut pas qu'ils aient immédiatement de la pioche derrière en fait S'ils ont les deux c'est trop fort euh, ok, je joue un morceau de Setoune, ça me va, c'est cool, ça me laisse de la tempo, ça ça fait vraiment plaisir. Je vais pouvoir passer mes deux amassards. Alors cette fois-ci, évidemment, on ne veut surtout pas piocher des cladames, hein, forcément, euh, ça serait assez terrible. Euh, il faut surtout surtout pas piocher des cladames, puisqu'on va poser une Malicia au prochain tour, sûrement. Malicia, on aura du mal à la mettre en tempo. Contre ce genre d'adversaire qui a des decks complètement fumax, Malicia, vous êtes obligé de la garder pour vous défendre. Donc je la poserai pas en tempo, hein. quoi qu'il arrive. Je suis plus fort que lui en fait à long terme grâce à Jaraxus. Euh, donc il faut juste que je me défende et, euh, et tout ira bien, tout bêtement. On voit que là on a Malicia au oh, prochain tour. Sinon, on peut aussi poser une Tamsin avec euh, cisaille pour mettre un maximum d'éclat, Poser ça, vous voyez, bricoler un truc. Hein. Tamsin, cisaille, ça fait 5. On aurait 7, il resterait ça. Cours de découpage qui est pioché, hein, donc la pioche maximum. Donc il va être très très fort. Il va falloir être très puissant. Remise de diplôme, ok. Ah du coup forcément ça se bien Là l'erreur de mon adversaire, mon adversaire a fait une énorme erreur Et malgré ça, ben, il, est, il est payé hein, Malgré ça Malgré ça il chatte euh, Tuk 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 On peut Tamsin Les multiples se mettent pas ouf par contre Ah si j'en avais eu un de plus ça aurait été vraiment bien mais J'aime bien mettre un maximum d'éclats Après je peux euh, professeur des âmes malicia Mais étant donné que j'ai plus que 3 fragments D'accord d'accord J'ai plus que 3 fragments J'ai pioché 3 fragments là Sérieusement <laughs> Genre vraiment? C'est ouf, hein? C'est ouf. Du coup, si je fais Tamsin, le problème c'est que je mets ma ce fragment, mais je perds tout mon board. Hum. Après, c'est ok, on va dire. Faudrait que je passe aussi euh, Rubix. Euh, let's go comme ça, peu importe hein, dans quel ordre vous le faites, ça n'a pas d'importance. Ça me coûte assez cher, malheureusement, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, hop. Après là Malicia était pas ouf comme j'ai pioché beaucoup de fragments malheureusement c'était pas dingue. Ça nous coûte très cher parce que les multiples sont merdiques à fond. Hein. J'ai dû lui mettre euh, dans une 7-7, j'ai dû mettre 12 points de dégâts à cause du Divine Shield et des chiffres impairs malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. Je préférais ça à passer une Malicia moyenne qui au final était pas ouf. Malicia a quand même une capacité de contrôle incroyable si vous avez beaucoup de fragments d'âme. C'est extraordinairement fort. Euh, j'ai vraiment pas envie de la donner comme ça. Ce Serait bien qu'il ait un tour un peu mou mais comptons pas trop dessus. Faudrait qu'on passe Ruiwix. On voit qu'on approche des gros clean hein, chez nous, on va pouvoir faire des gros clean into euh, Monsieur Muscle Le mieux étant d'attendre le plus vite, le plus, le plus tard possible, pardon Le plus vite, certainement pas mm. Là il doit gérer Tamsin hein, donc ça va lui faire chier euh, je sais pas si Tamsin par exemple Si je fais par exemple Néandistordu là sur Tamsin, est-ce qu'elle va me le donner à zéro ça serait cool Genre il tue pas Tamsin, tu vois, il met du board, je fais Néandistordu, je sais pas si je le récupère alors qu'elle meurt Bon, le Counter Spell est vraiment flippant. Là, le snapshot, vous voyez l'adversaire qui montre, on, on, voit, on voit les erreurs. Hein, l'adversaire qui montre immédiatement qu'il a Counter Spell. Qui, qui a snapshot comme un animal, là, vous avez, vu, il a même pas réfléchi. Hein, il a vu un truc, il l'a pris tout de suite. Ça se voit à la vitesse à laquelle il a joué. Énorme erreur. Donc là, c'est clairement Counter Spell. Hein. Il va prendre le rush pour pouvoir tuer Tamsin, évidemment. Ok. Et du coup, bah, il va pouvoir défendre hein, assez facilement. Cela dit, euh... j'aimerais bien avoir, on un... pioche encore des fragments au moment où c'est le moins utile. J'aimerais bien avoir des petits... Euh... Petits fragments là, des, petites, euh, des, petits, des petits trucs à jouer. Je pense qu'on va être obligé de lâcher ça. On peut pas suicider cette bad girl. On va, on va faire ça. Il se passe pas grand chose. pas okay. un peu chier de faire ça. Ok, Ça se passe pas grand chose. Donc manifestement, le Counter Spell est bien présent comme prévu. Counter Spell sur mon T8, c'est très fort hein, puisque j'ai néant distordu et il le sait. Il l'a pas fait exprès hein, il l'a pas fait exprès, rassurez-vous, il l'a a juste, juste découvert, il l'a pris quoi, tu vois. N'en ne, attendez pas trop, parce que par suite de des raisons, c'est fort évidemment, ok. Nous, le problème c'est que depuis tout à l'heure j'ai aucune cible en fait, là je vais pouvoir faire UUX cela dit, c'est très très bien. Ah je peux passer euh, Jaraxxus hein. Ok, il vide, il vide sa main, il a raison, je vais passer Jaraxxus, c'est bien mieux. Comme ça c'est setup, ça c'est fort aussi, hein. ah le combo ici, mais ça marche pas en fait. Là ça c'est une vraie pression pour lui, j'aurais plus besoin de piocher je pense, je tiendrais sans piocher. Hop, on va commencer à chier des 2-2 deux -deux et là il va transpirer. Là il va commencer à transpirer. Faut juste que j'arrive à me méfier de son counter spell, c'est le seul problème. Euh, faut que je trouve un petit sort à la con pour le passer là. J'aimerais ne pas gâcher Hystérie. Même s'il n'y a plus, notez qu'il n'y a plus le sort à 8 euh, du mage. Le sort à 8 qui permet d'invoquer 2 T6, ça n'existe plus. Du coup, Hystérie est moins utile contre mage. Waouh, mon adversaire qui est dans une confiance incroyable. Il faudrait vraiment que j'ai un sort à deux pour pouvoir faire sort à deux et néant. Ça va, heureusement il récupère quelques merdes. Mais là on pourrait, là vous voyez, là vous pourriez avoir l'impression de vous dire euh, putain c'est cool le mec des chats tu vois. Mais pas du tout, c'est normal, d'accord? Ça c'est normal, c'est comme ça que ça devrait se passer à toutes les parties. Des sorts, il y a plein de sorts qui puent littéralement la merde. Euh, faut pas être déconné, d'accord On peut mettre ça. Hein. On sait que c'est pas une entité miroir, hein. Ouais parce que j'ai fait malicia. Euh, J'hésite à mettre soit Ruwix, soit au je pense que je mets au pour l'empêcher de se défendre contre cette 6-6. Du coup, le sort, ce serait portail devant du néant et contre-sort. Il va falloir s'y attendre. Hein. Clairement, il va falloir utiliser une Hystérie. J'aime bien fermer le jeu en mettant ça. Ah, il vient de le top deck, je crois. Hein. Il vient de le top deck de la droite. Évidemment. Euh... <laughs> Tout en magie. Le petit suite de déraison. Il va être content quand il va voir euh, Ruwix. Ça va lui faire plaisir. Tamsine, bon j'ai pas vraiment de sort du sacré. Euh, Cariel, pardon. Cariel qui est dans mon deck que j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, ouais, l'adversaire qui est un peu, il sait pas ce qu'il fait. Hein. Ouais. Bon, il l'a fait dans le bonheur, je dois dire. Ça se met bien. Putain, je peux pas proc les secrets encore. C'est pas trop gênant, mais c'est juste petite pioche en fin de tour. <laughs> il me déprime, vraiment, il me déprime les mages. Ça me déprime de voir ça, vraiment. C'est ouf, tu vois. C'est ouf. Là, le mec, il aurait déjà dû gagner trois fois, tu vois. Vraiment, hein, vraiment, c'est juste parce qu'il cumule les misplays, tu vois. Dans quel monde tu pioches 3 cartes pour trois et tu le fais à la fin de ton tour Tu vois, c'est impensable, impensable. Euh... Ok, bah moi j'ai très envie de passer ça, hein. je vais être obligé, je crois. Hein. Après là je le défonce sans faire rien, hein. je vais pas le faire, bah non, y a pas de raison. En fait il y a pas de raison d'aller chercher le counter spell, hein. on continue à lui mettre des bodies. On espère qu'il est pas un deuxième missile d'Evolve. Hein. On, on a déminé le premier, s'il a de la chance il aura le deuxième. Euh... Mais je vois pas de raison de m'exciter là. Le seul problème c'est qu'en fait au moment où j'en aurais besoin, je peux être coincé, tu vois, avec Néandistordu. C'est ça qui est chiant en fait. Et tu peux pas lui faire Ticatus parce que. là, il le sait pas, mais il a une chatte de porc en fait. Hein, parce que depuis tout à l'heure, son Counterspell défend contre Néant et, euh, et ça. Évidemment. Évidemment. RNG, 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 hein, normal. C'est fou, hein, Il récupère vraiment des trucs abusés, tu vois. C'est vraiment dingue. C'est dingue, 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 dingue. Oui, si vous vous demandez, ça va être nerf. Si vous vous demandez, rassurez-vous, ce sera très bientôt nerf. Alléluia, je vais enfin pouvoir jouer, on dirait. Yes Je vais pouvoir passer mon hystérie. Qui va bien évidemment se faire rect gratuitement, hein, c'est normal, mais, euh, mais on va pouvoir faire quelque chose. Putain, et lui il tombe maintenant, quel couillon! Ah, je peux pas, hein! Là, c'est non, hein! Je suis trop fort avec ça! Ah! Hein. <laughs> Alors, ouais, <laughs> là, je prends les 16 d'armure, hein, Balek! Le problème, c'est qu'il va avoir les trucs, et depuis tout à l'heure, je peux pas Ticatus, il faut vraiment que je fasse mon Ticatus en urgence. Là, je vais pouvoir le faire au prochain tour, comme je l'ai corrompu avec ça, mais euh, ça peut me jouer des tours, ça peut me jouer des tours. Si là, il pioche beaucoup, euh, il peut se mettre bien ce con, hein! On va faire Ticatus, euh, Ticatus, Monsieur Muscle. Et derrière, on va faire euh, Yacharage et euh, refaire Ticatus, Monsieur Muscle. Faut vraiment le clean là. Et il faut que j'arrive à déminer le Counter Spell aussi. Ce serait bien de pouvoir le faire au prochain tour avec Hysterie, par exemple. C'est du délire. Avec la pioche en fin de tour. C'est du délire, 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 délire. C'est du délire. Waouh. Oh, Waouh. Ça marche tellement sur la tête ce deck, c'est ouf. Hein. C'est ouf. C'est pas grave, on va pouvoir quand même faire notre play, pas de souci, pas de haine. Euh, let's go. On se laisse pas faire. On voit qu'on a ça mais on doit jouer celui-là parce qu'il y a counter spell évidemment. Et ça va lui donner, il faut le noter, ça va lui donner un body supplémentaire. By the way. Ah, il a pas eu le body du coup. Ah, c'est cool ça. Ça c'est plutôt bien. Ok, bon on est encore bien, hein on est encore bien. Alors on l'a bien défaussé. Faut juste pas qu'il chatte, tu vois. Faut juste pas qu'il chatte. Euh... Faut juste pas qu'il chatte d'avoir des Primus délirants, tu vois. S'il a des Primus délirants, genre le Primus du mage, je vais sointer quoi, je vais suer du cul. Après j'ai des cleans de ouf, il a plus de Counter Spell. Raisonnablement, il est recte, hein, je pense. Il n'y a plus qu'à attendre. Faut pas qu'il ait maintenant 3 counterspells d'affilée, mais sinon ça va quoi. Je me méfie. Maintenant les mages, maintenant les mages, moi j'en suis à un point où je crois que tout est possible. Honnêtement, hein, je crois que tout est possible. voyez, oui, créé par suite de déraison. On dirait que suite de déraison te donne toutes les cartes qu'il faut quoi. Le mec sur suite de déraison, on arrive à des trucs. Regardez-moi ça. Suite de déraison. Hein. On arrive à des trucs sur suite de déraison. C'est de l'hérésie en barre quoi. Vraiment, genre waouh. C'est de la folie furieuse d'avoir donné ça à une classe. Et avant c'était nul parce qu'on pouvait pas piocher Mais maintenant qu'ils peuvent piocher c'est devenu euh, De l'hérésie quoi et là le mec il peut encore gagner hein. Là le mec il peut encore gagner hein. S'il a des trucs un peu fumax il peut me battre Ne hein. fake hein. Ok Là s'il a quelques primus qui tombent ou quoi il me baise hein. Attention hein, faut pas croire Heureusement qu'il y a les 6-6 à chaque tour Parce que j'ai eu Zaraxus en main de départ hein. faut, faut le penser depuis tout à l'heure là à chaque tour j'ai une 6-6 C'est pas mal ça C'est assez fort comme on dit chez moi <laughs> Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, énorme, mec. Franchement, c'est énorme. Oh, c'est fou, c'est fou, 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 fou. Euh, ok, bon, c'est pas grave, on le bat, hein. on le bat, mais euh... mais c'est fou quand même, non ça, ça vous ça vous scotche pas moi, moi, ça me scotche, moi ça m'impressionne. Ça qu'il a eu parce que parce qu'il a eu le sort qui duplique ma carte, etc. Tu vois, enfin le mec, il a été fort euh, du début à la fin, quoi. Du début à la fin, on va fermer, on va loquer avec ça. Hein. On pourrait mettre un, hop, oh. comme ça. Ah, évidemment hein, le, le petit hunt. Euh, le mec il a eu ça parce qu'il a copié avec un sort qu'il a eu au hasard tu vois. Parce qu'il a eu la bonne carte au bon moment tu vois. Parce que c'est ça. S'il avait pas eu celui de des raisons, il pouvait pas euh, faire des cartes aléatoires et euh, avoir cette carte là au bon moment qu'il a générée aléatoirement tu vois. <laughs> évocation oh, c'est énorme. J'en peux plus. Bon c'est créé par Orbeur unique, Il l'a snipé Ça changera rien. Il a perdu. Il peut dégager. C'est terminé. C'est terminé. Allez bien joué, Hop. Ah j'ai pas de patience. Ah j'ai pas de patience. Surtout quand ils ont quand ils ont de la chatte comme ça. Quand ils ont eu de la chance, j'ai pas de euh, j'ai pas j'ai pas de gentillesse. Honnêtement là pour ça, moi c'est bon. La dose, ça suffit, ça dégage. Surtout pour être euh, surtout pour être en rang or en jouant un deck top tier comme ça, c'est vraiment cracax. c'est vraiment cracax. Bon, euh, vous avez vu le deck, c'est pas mal. Ça fait combien de temps Oh là là, 36 minutes. On joue contrôle ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Vous avez vu le deck Le deck est vraiment cool. Euh, il est vraiment bien. Je pense que je vais essayer de passer les légende sur mon autre compte, mon compte tranquille, le compte de la chaîne YouTube. Donc je suis passé les gens comme vous le savez avec mon compte euh, principal, mon compte tryhard. Je vais passer les gens le compte de la chaîne YouTube. Pas ce soir. Ce soir c'est du coaching live en streaming mes amis. Mais le compte est vraiment, le deck est vraiment chouette à jouer en vrai. Euh, je vais pas vous mito. Hein. Oh, honnêtement, hein, honnêtement, sincèrement, la première game 100% on l'a gagné. 100% on devait la gagner. Mon adversaire a eu un bol monumental. Euh, mais monumental, c'est du délire la chance qu'il a eu. Hein. Deux crânes de Gul'dan, euh, deux autres moyens de pioche. Pile poil de quoi avoir le létal tout juste et tout en tricotant avec des sorts. Il fallait pile poil cette combinaison-là. C'était du délire. Donc voilà. Typiquement, on devait le gagner. Et le match du milieu contre le Rogue, je pense qu'on devait le gagner également. Honnêtement, on s'est fait largement châter ces deux premiers matchs. Je vous dis ça pourquoi. Est-ce que le deck est fort ou pas Oui. Le deck est fort. Ça se voit. Et effectivement, contre Mage, moi j'avais des doutes. Je vais pas vous mentir. Pas mal de gens ont dit Ouais, ça marche pas mal contre Mage et tout. Non, non, non. Moi j'avais des doutes. Je me suis dit C'est bien. Mais, euh, mais parfois les mages ils ont tellement de puissance qu'ils peuvent carrément te battre tu vois avec leur truc euh, Lunacy ça peut être délirant hein, ça peut vraiment être de la folie euh, Là le mec a été quand même très puissant mais il a eu un petit défaut si j'ose dire un défaut <laughs> lol euh, il a eu euh, pas mal de contrôle Et oui parfois la vie d'un mage Lunacy c'est pas facile il a eu beaucoup beaucoup de contrôle du coup il a pas pu mettre trop de value ce qui ne pas empêché d'avoir 4-3-5 évidemment pour 4 de mais euh, 4-3-5 charge. Mais euh, il a été un peu en difficulté là-dessus. Donc il a très bien géré mes 6 6 Notez que je lui ai fait des 6 6 à tous les tours et qu'il les a tués sans aucune difficulté. Mais du coup il a pu moins développer de, 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 de board. Et donc effectivement j'y ai trouvé mon compte. Euh, donc le deck, est-ce qu'il est bien Oui, je vais essayer. C'est quasiment sûr, je vais passer les gens avec sur mon autre compte. Euh, J'adore ce genre de deck, ce genre de petite connerie, vous le savez. Moi dès que ça part en contrôle, c'est mon délice, c'est mon nectar. Au niveau du remplacement, attention s'il vous plaît. Et je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais, Ménart Je suis perdu. Je suis perdu, je ne sais plus, je suis perdu, je suis poilu. Alors, qu'est-ce que je fais Yacharage le souilleur. Eh bien, si vous n'avez pas Yacharage le souilleur, sach sachez que... Un Yacharage, sachant souiller sans son Yacharage, est un bon souilleur. Euh, sachez que vous êtes souillé si vous n'avez pas Yacharage. Et oui, mes amis, euh, n'écoutez pas les animaux qui disent y charge hein, Yacharage, c'est euh, Yacharage. Vous êtes souillé, puisqu'en effet. Cette carte est prépondérante dans le deck évidemment. Si vous ne l'avez pas, ça va être très compliqué de le jouer malheureusement, je sais que ça fait chier. Est-ce que Yacharaj est un craft sûr Oui, 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 mille fois oui, c'est sûr et certain. C'est le meilleur des dieux très anciens. C'est d'ailleurs le seul qui est à peu près potable. Ah vous pouvez le crafter. En vrai, vous pouvez le crafter sans hésitation. Euh, c'est mieux que c'est tout, Niharaj, Yasharaj. d'accord Si sera forcément joué, c'est une mécanique qui est vraiment très très bien comme second souffle. C'est très cool. Alors pourquoi est-ce que c'est fort Parce que comparé à Enzot, Enzot fait la même chose, c'est-à-dire en late il va te remettre de la value, sauf que Yasharaj te donne des cartes qui ont un effet tout de suite. Et ça c'est cool. Et ça, normalement notamment dans le deck démoniste ça te donne le sort à 4 désastre en cascade ce qui te permet de faire yacharage clean into euh, du board tu vois donc c'est extrêmement fort en termes de tempo tu, tu défonces le board adverse et t'en remets du board de ouf chez toi tu vois tu mets du 18-18 euh, en termes de board hein, 10 plus 8 sans compter les 6-6 donc c'est très fort euh, il faut le craft seigneur jaraxus c'est gratuit c'est gratuit alors pas en doré évidemment si vous n'avez pas j seigneur jaraxus doré c'est un peu triste vous êtes obligé de, de jouer la pauvreté du seigneur jaraxus normal mais c'est quand même pas mal jouez le Notez qu'on ne peut plus vous voler l'arme 3-8, puisque les barboteurs n'existent plus. Donc vous pouvez mettre votre arme 3-8 et rentrer les belles patates tranquille ou pépouse, hein, honnêtement. Pff. Après, vous avez tellement peu de pression dans ce deck que, bon, l'arme 3-8, elle va pas faire un miracle, faut pas arriver. Mais les 6-6 sont énormes, comme vous avez vu, c'est trop cool quoi. Tu presses le bouton, t'as une 6-6, tu vas passer. C'est vraiment génial. Ensuite, euh, je n'ai pas Ticatus. Qu'est-ce que je fais Je suis en sueur. Euh, eh bien, Si tu n'as pas de Ticatus, ça va être dur de jouer ce deck. Oui, 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 ça va être très très dur. On va pas se mythos, ça va être compliqué. Euh, je te recommande de euh, crafter Ticatus. Surtout que Ticatus en ce moment il est dans une bonne vibes. Il est dans un bon feng shui. Euh, pourquoi Parce que Ticatus, il faisait énormément rager à la fin de sombre lune. Et là, pour le moment, les gens ont oublié Ticatus. Ils sont un petit peu en mode oui euh, là en ce moment c'est plutôt Luna ici. Euh, ça fait chier, Luna ici, ils, ils ont pas de tort, hein, bien évidemment. Mais ils ont un peu oublié Ticatus. Et donc Ticatus va pas se faire nerf, nerf. et donc c'est plutôt un craft sûr vous pouvez y aller bonne nouvelle thailand fordring tu ne l'as pas tu es pauvre et eh bien figure toi qu'il est gratuit thailand fordring donc ça tombe plutôt pas mal les Ogres siens euh, c'est gratuit émissaire Rubix, si tu ne l'as pas ce n'est pas grave tu peux le changer émissaire Rubix. roam si tu ne l'as pas c'est embêtant mais c'est pas trop trop grave mais après tu te retrouves avec un deck qui est vraiment comme la liste de base je vais vous montrer des remplacements pour Tamsin roam et avec sa petite dégaine de sorcière je l'aime beaucoup cette carte et pour ce bon wix Alors, par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer Tout simplement. Hop. 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 Voilà. Alors, euh, tac, tac, tac. Je vais vous montrer ça. Par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer ces petits boys mmh, qu ce petit bad boy Qu'est-ce qu'on aime bien Ça, c'est toujours cool pour se remonter. On aime bien aussi. Hein. Par un deuxième moyen de pioche. Ça peut être cool aussi. Euh, petite cracheuse de fire chose de Fire, elle est pas dégueu contre les paloufs par exemple. C'est OK tiers, on va dire, c'est pas mal. Ça, ça passe bien aussi, pourquoi pas, avec les fragments et tout, c'est pas mal pour avoir un petit contrôle. Ça, ça peut rentrer en vrai. Ça peut complètement rentrer à la place de Tam Simrom, c'est pas mal. C'est le même tour à peu près, tu vois, et t'attends d'avoir un éclat, et quand t'as un éclat, tac, tu fais destructeur. C'est pas dégueu, franchement, c'est pas dégueu. Ensuite, je vous ai dit ça, et il Eya, Ruiwix, ouais. On peut rentrer un petit buveur du vide hein, pour être un peu plus fort contre les agros, c'est pas mal. Petit buveur, c'est pas mal. Euh... Ça c'est marrant. <laughs> marrant, ça c'est marrant, ça sert pas à grand-chose. Mais putain, je les ai endorés. Des... Ah non, c'est gratuit, ouais. C'est les cartes de base. Alors, sont... qui est beau, honnêtement, pour, un... pour, une, carte, euh... pour une carte comme ça, qui est beau. Euh, Siphon et l'âme, c'est pas mal non plus, iPhone Soul, c'est pas mal, ça peut rentrer. Ensuite, Kaidan euh, le Briseur, si vous l'avez, ça peut rentrer également. Euh... Non, ça c'est non, ça c'est pas mal, pourquoi pas. Suite du chaos, on va éviter. Euh, tch 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 tch, ça c'est pas mal, on pourrait lui donner un essai. Hein. Franchement ça, à la place de Ruix, ça pourrait le faire. Surtout que ça permet, comme c'est un T7 de Procticatus, et ça permet de défendre... Euh, moi j'aime bien ça pourrait être marrant, notamment s'il y, y a quand même quelques, dé quelques rock face. Et on a vu que les rock face ils font moins les malins. Hein. Les rock face franchement il m'a battu parce que j'ai pas pu faire double sort sur, sur euh, Dame J'ai défaussé mes cartes principales. Mais en vrai tu lui cales un taunt comme ça, le mec il est en transpiration. Hein. 4-10 euh, provocation, c'est quand même assez costaud. Et sa procticatus. Ça peut être un essai. Je peux pas, ça, je peux pas vous garantir si c'est bon. Il y a également évidemment Dame de l'Effroi améliorée hein, qui passe très 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 bien. Il y a pas de soucis. Très très bonne carte. Ultra casse couille pour les agros euh, Vraiment pas mal. Enfin, pour les aggro, pour le Rockface, face, pour le moment, il n'y a que le rock face. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes. Au niveau du mulligan, le dernier mot, le mot de la fin, le petite question que vous attendez tous, je ne m'en doute pas. Euh, vous gardez évidemment Joliet d'esprit, euh, Vendeuse d'armure, Sisaïdam, Sisaïdam uniquement si c'est un agro mais Joliet et euh, Vendeuse d'armure, vous allez garder tout le temps. Vous ne gardez jamais Tamsin Roam en main de départ, évidemment. Tamsin, c'est une carte que vous voulez à partir de minimum T5. Euh, donc voilà, faites attention, attention Tamsin, il euh, y a un carjacking. Tamsin ne marche pas avec des astres en cascade. Des astres en cascade, quoi qu'on en croit, des astres en cascade n'est pas un sort d'ombre, malheureusement. Alors ça, c'est terrible. Euh, c'est un petit peu logique parce que sinon tu ferais des, des Tamsin broham sur des, des astres en cascade qui sont proc. Tu ferais des astres en cascade et derrière, tac, quand tu fais euh, Yacharage, tu récupères, tu vois, tu récupères euh, triple, triple, quadruple euh, des astres en cascade. Enfin, tu vois, ça des, tu deviendrais le dieu du contrôle. Déjà que des astres en cascade est un contrôle absolument fumax. Euh, si tu pouvais le récupérer avec Tamsin ça donnerait des situations délirantes Mais voilà vous faites pas avoir hein. C'est que les sorts d'ombre qu'on récupère Comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup mais pas les sorts de pioche Il y a 6 items, etc Donc voilà faites attention il y a aussi Distordu. Alors moi je suis désolé j'ai pas eu la situation de faire Tamsin Distordu. Euh, parce qu'il faut qu'elle survive d'un tour à l'autre, donc c'est pas facile. En général, Tamsin, elle se fait directement défoncer. Donc ça m'est jamais arrivé. Si ça vous est arrivé, dites-moi dans les commentaires ce que ça fait. Si oui ou non Est-ce qu'on récupère un néant d'histoire du gratuit Ce serait vraiment cool en vrai. Ça permettrait de faire des plays de ouf. Genre tu fais néant et tu tapes euh, Jaraxus Et comme ça, t'as une tempo monstrueuse. Ce serait hyper fort. Euh, ensuite, euh, hop, 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 hop. vous allez garder parfois si vous avez le coin Amasser Dame gris Sachez que vous n'avez pas beaucoup de cartes dans ce deck. Donc je vous conseille quand même de garder Amasser si vous n'avez pas, si vous avez le coin, si vous n'avez pas le coin, vous pouvez pas. C'est un peu trop loin. Mais gardez-le. Globalement, ça fait quand même un super tour qui tout de suite vous installe. Une pour 3, T2, une 3-4, c'est quand même très fort. Ça permet de calmer un peu l'adversaire le temps que vous piochez, vous accélérez un petit peu et vous trouviez des réponses avec votre pouvoir Donc voilà, très intéressant. Voilà, c'est à peu près tout. En fait, il y a juste ça en fait. En vrai, là, c'est assez limpide. Je viens de me dire qu'en fait, c'est limpide. C'est les 5 premières cartes. Vous les gardez quoi, en fait, tout simplement. Évidemment, si vous êtes contre un FDP de prêtre. Euh, parce que ça existe encore, les prêtres, quelquefois. Je dis FDP, sachez que j'adore les prêtres, je suis moi-même un joueur prêtre. Euh, vous gardez Seigneur Jaraxus mes boules. Voilà. Alors à vous de choisir, si vous dites Seigneur Jaraxus Mabit ou Seigneur Jaraxus mes boules, vous choisissez, il faut prendre son parti. Par contre, vous le gardez en main de départ contre tout ce qui est lent D'accord Ça, c'est le vrai conseil. Attention. Seigneur Jaraxus, c'est le nouveau Galakron. Hein, qu'on s'entende bien. Très important. Il est bien plus fort que Galakron. Un prêtre, vous lui faites Seigneur Jaraxus, il est en transpiration, mais wa wow On atteint des seuils de moiteur. Qui sont ni vus nulle part, nulle part ailleurs, qui ont été vus, vraiment. La transpiration est excessive, tu vois. Euh, voilà. Donc, gardez Seigneur Jaraxus. Euh, Seigneur Jaraxus, vous pouvez également le garder contre ces petits salopards de mages. Évidemment, il n'y a pas de, de raison. Vous l'avez bien vu, les mages, il faut qu'ils attendent un petit peu pour faire leur euh, lune ici. Quand ils font lune ici, il faut encore qu'ils piochent, etc. Et ça, bah, mine de rien, ça nous laisse le temps d'aller jusqu'au T9, la plupart du temps. <laughs> pas toujours, évidemment. Si vous tombez sur un mage qui a du talent, T1, il coin et il fait lune ici. T2, il fait réduction. Et T3, il pioche. Mais, euh, <laughs> mais normalement... Et T3, il vous fait crâne de guldan. Euh, mais normalement, vous pouvez... J'ai raisonnablement gardé Seigneur Jaraxus. Comme vous l'avez vu dans mes deux matchs, je les ai gardés euh, et ça a payé. C'était bien, ça a payé. À part quand évidemment l'adversaire a eu pile poil ce qu'il fallait pour me tuer, mais globalement on le mettait dans la merde, on le battait tous les jours. Vous l'avez bien vu. Donc voilà, mes amis, ce soir on se retrouve pour un petit coaching live. Merci d'avoir vu ma vidéo. On a franchi les 7000 abonnés hier et aujourd'hui on est déjà 7100 abonnés. What the fuck ça tonque ici si, si. Bientôt je vais m'acheter une BMW. Je suis ravi. Évidemment si j'achète une voiture de sport, je n'achèterai pas une BMW puisque je ne suis pas un saltimbanque euh, qui habite en Seine-Saint-Denis. Euh, du coup, si j'avais de l'argent, j'achèterais une Lotus Elise. Ça, c'est dit. Maintenant, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo. Blague à part. Un grand merci à vous pour les abonnés, pour les gens qui lâchent des likes, qui sub, etc. Ça fait grave plaisir. La chaîne Stonks, c'est un putain de régal. Ce soir, je vous faire un coaching live. N'hésitez pas à venir. En ce moment, j'ai tryhard de ouf. J'ai énormément joué. Donc, je suis très, très au courant de ce qui se fait sur la méta, etc. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils, si vous voulez que je vous aide à passer les gens de quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tout le monde. Je vous fais des énormes bisous. Merci, mes Ciao. You don't care if it's wrong or if it's right.